Coucou les filles et les garçons, j'espère que tout va bien chez vous. Moi aujourd'hui, je vous viens avec un haul action et un plus petit de chez Noz. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi, on va donc commencer. Donc j'ai acheté le petit cabas très automnal. Donc juste magnifique. Moi je les achète tous, hein. Dès qu'il y en a un qui sort... Je l'achète malgré que j'en ai plein, plein, plein. Donc ça, vous connaissez le prix 59 centimes. Donc ensuite, je commence à préparer doucettement Noël. Donc j'ai acheté cette poupée. Vous la rapproche. Donc elle fait 38 cm. Et elle m'a coûté 6,95 €. Toujours dans les jouets, j'ai acheté ceci. C'est une petite voiture avec. Elle est vert fluo, elle est assez marrante. Il y a deux petits plots là de côté. C'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, c'est censé être des petites voitures 4x4. Pareil, 6,95 €. Pareil, donc toujours pour Noël, j'ai donc acheté du papier. Donc le celui-ci m'a coûté 49 centimes. On continue toujours. J'ai acheté un parfum. Alors celui-ci, pour femme. Je ne l'ai pas ouvert parce que je vais en faire un cadeau pour Noël. Donc il m'a coûté 1,69 €. Voilà. Je l'ai senti en magasin, ils sont très bons. C'est assez fleuri, pour celles qui aiment le fleuri. J'ai acheté celui-ci que je cherchais depuis une éternité, qui est un dupe du J'adore de Dior, qui sent superbement bon. Hein. Ils sont superbement bons. Je l'ai enfin trouvé parce que dans mon nose, je l'avais jamais. Jamais, 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 jamais. Là, j'ai enfin trouvé. Donc, super. 1,69 €. Celui-là, il est pour moi. Ensuite, je vais un peu dans le désordre. Hein. Je suis désolée. J'ai acheté ceci parce que j'ai vu ça sur une vidéo, je ne sais plus de qui, et franchement, elle m'a donné vraiment envie d'essayer. Il paraît que c'est donc une espèce de guimauve enrobée avec du chocolat et des petits copeaux de noix de coco. Donc vous avez une boîte en plus après, hein, vous avez un tube si vous voulez le garder. Il y en a pas mal dedans, il y en a 24. Et ça m'a coûté... 1,69 €. Alors, j'ai acheté des petits bonbons. Alors, je sais pas pour celles qui sont peut-être plus anciennes, qui ont un âge comme le mien, plus ou moins. Hein. J'ai pris ça en espérant que ce soit un dupe des Vichy. Parce que ça y ressemble. Je sais pas si vous allez voir. Mais ça y ressemble assez. Ce sont des petits bonbons à la menthe. Donc j'essaye, ça coûte rien, ça coûtait 69 centimes. Donc j'essaye. On verra ce que c'est, s'ils sont bons. Bon, à ce prix-là, je ne m'attends pas à des miracles, mais qui sait. J'ai acheté des chichis. Donc ça, j'en achète assez régulièrement. Ce sont donc des cacahuètes enrobées sucrées. Hein. Voilà, des arachides sucrées. Voilà, pour être très précise. Et j'ai payé ça. Pareil, 1,59 €, pardon. 1,59 €. Alors, toujours chez Action, j'ai acheté ceci. Pareil, je vais en faire un cadeau de Noël. J'ai pareil, j'ai senti en magasin, ils sont très très bons. Et celui-ci, il m'a coûté 2,99 €. C'est un parfum pour homme. Hein. Donc, ils sont très très bons, je l'ai senti. Il y a le même en bleu. Pour celles que ça intéresse, il y a le même en bleu. J'ai acheté ensuite une bouteille d'huile, comme ça, qui est très jolie. C'est un demi-litre. Je vais faire des paniers garnis pour certaines personnes à Noël et je vais la mettre dedans. Je n'ai jamais testé, je ne sais pas si elle est bien. J'espère. Elle m'a coûté 1,29 €. C'est une huile de citron vert. Donc, elle est vraiment à ce prix-là, 29. Donc, ça ne mange pas de pain. Donc, justement, pour faire un panier garni,
Je vais le faire là-dedans. Je vais en faire un là-dedans. Alors, j'ai trouvé ça chez Action. C'est vraiment pas mal. C'est un panier déco. Ils appellent ça panier déco jacinthe. Donc, il mesure 36 par 27 cm et il fait 9,5 cm de profondeur. Il a des anses en métal. C'est du métal. Il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Et je vais faire un panier garni là-dedans. Donc, je vais mettre tous mes petits trucs et puis je vais l'emballer avec donc le papier cadeau blanc transparent. Je vais faire ça tip top. Je vais rajouter plein de petits produits, des biscuits, des chocolats. Et ça devrait faire l'affaire. Ensuite, j'ai acheté ceci. Voilà. Donc, c'est toujours super. Ça me rappelle mon enfance. C'est juste top. Ce sont des petits sucres d'orge, en fait, hein, tout simplement. Alors ça coûtait une misère, ça coûtait 89 centimes. Ce sont des cannes à sucre, cannes à sucre d'orge. C'est juste trop bien. Ça nous rappelle notre enfance. Chose à top. 89 centimes. On continue chez Noz. Je l'ai enfin retrouvé parce que ça faisait un moment, le mien était terminé. 1,39€. C'est topissime. Alors, ce truc, ça détache les vêtements. Ça vous fait la salle de bain super bien. Ça dégraisse. Enfin, c'est vraiment un produit super. Je pense que ça doit être un dupe du Saint-Mars, qui est quasiment pareil. Pareil au savon de Marseille. Je pense que ça doit être un dupe. J'ai acheté un cahier comme ça avec la couverture qui est en plastique. À spirale, l'intérieur est comme ceci. Il est ligné, mais ligné comme ceci. Je vais tout simplement essayer de recopier toutes mes recettes de cuisine et de les regrouper dans un seul cahier parce que j'en ai vraiment plusieurs cahiers qui traînent un petit peu partout. Donc j'ai espoir de tout regrouper là-dedans. Et celui-ci m'a coûté 99 centimes. J'ai pris pareil, toujours chez Action, un livre de coloriage. Pour Noël. Donc il est très très bien celui-ci parce que vous avez donc l'image coloriée et l'enfant est censé, je dis bien, essayer de reproduire le même. Donc ça l'incite à trouver les couleurs. Enfin, c'est vraiment très très bien, il est vraiment super. Je l'ai payé 89 centimes. Il est top 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 pour un petit. Vraiment de très très jolies images. J'aime beaucoup. Ça donne envie de recommencer à colorier. Donc voilà, celui-ci, il est pour les plus de 3 ans. Junior Color, 89 centimes. J'ai trouvé ceci, un indispensable, hein, l'indispensable de la youtubeuse, 69 centimes. Alors, je trouve qu'il se décharge quand même assez rapidement, hein. Et alors, quand vous voulez les recharger, enfin, moi, impossible. J'ai le gaz qui va partout sauf là où il devrait aller, donc 69 centimes. Vous me direz au prix où ça coûte. J'ai pris ceci pareil pour Noël pour une petite fille, la Reine des Neiges, toujours la même chose. Ce sont les petits chouchous là qui laissent pas de marque dans les cheveux et accroché. Vous avez un petit cœur avec donc les personnages de la Reine des Neiges. Je trouve ça vraiment top. Ça va faire plaisir, je pense, à une petite fille. Voilà, et j'ai payé ça 89 centimes également. J'ai acheté ces fameuses éponges, toujours, parce que j'ai vu ça sur une chaîne. Alors, désolée, j'ai pas retenu le nom de la chaîne de la personne, mais elle disait qu'elle nettoyait tout avec. Moi, j'avoue que je les vois toujours, je les prends jamais. J'ai envie d'essayer, il y en a 5 dedans. Ça coûte 89 centimes, donc au pire. Hein. Donc voilà. Et mon dernier article de chez Action, qui est ceci. Je trouvais ça génial. Ce sont des pailles. Ce sont des pailles. Alors elles sont grises et argentées. Noires et grises et argentées et blanc. Alors sur l'une, vous avez une petite montre. Et sur l'autre, vous avez dans le temps. Happy New Year. Bonne année. Donc ce sont des pailles voilà, qu'on peut garder pour un anniversaire ou pour Nouvel An. Enfin, je trouve ça super. Elles sont hyper jolies. Et elles m'ont coûté ces petites pailles.
Alors, 49, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. 62 centimes. Il y en a 10 dedans. 62 centimes. Donc voilà pour Action. Donc je suis quand même allée faire un petit tour chez Noz parce que moi, les deux sont quasiment réunis dans ma ville. Donc je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pas pris grand-chose. Hein. Il était temps d'ailleurs que je rentre parce que je dis j'ai pas pris grand-chose. J'ai pris quand même 2-3 trucs. Donc j'ai pris ceci. Ce sont de la marque Knorr, les marmites de bouillon. Alors celles-ci, je les ai payées 89 centimes. 89 centimes, hein, donc. Sachant que la DLC va jusqu'en 2017, janvier 2017. Donc elles seront mangées. Et c'est à la poule. Hein. Ensuite, j'ai pris de la marque Benedicta. J'ai pris celle-ci pour les pommes de terre. J'ai payé ça. Si tu veux bien, 93 centimes. Je suis désolée pour la luminosité, mais vraiment, c'est une catastrophe. 93 centimes. La même chose, maillot citron. Pareil, 93 centimes. Pour, y a les fêtes qui arrivent, donc ce sera l'idéal. J'ai trouvé celle-ci, ces petits mouchoirs, papier, donc des serviettes plutôt que des mouchoirs. Mais par contre, ce n'est pas le format traditionnel, c'est les toutes petites. Et alors ça en magasin ça coûte un rein et j'ai trouvé ça à 75 centimes. Vous aviez vraiment plusieurs motifs. Moi j'ai pris celle-là parce qu'elle me semblait très très bien. Voilà. J'ai pris également de la marque Björg des galettes de riz complet. Il y avait un gros arrivage dans mon ose des produits Björg. J'ai payé ça 80 centimes. Là tout va bien, 80 centimes. Et mes deux derniers articles, alors je suis ravie d'être tombée dessus parce que moi je crois que mon nose a été l'un des seuls noses où je n'ai pas vu des produits de maquillage. Alors j'ai trouvé deux mascaras, un de la marque Bella Olly, beaux yeux donc, en gros. C'est un mascara bleu, donc long curl define, voilà. La brosse est comme ceci, donc c'est une brosse apicot bleu. J'ai pris un bleu parce que j'ai pas du tout de mascara bleu. Je me suis dit, essaye pourquoi pas. Je l'ai pas essayé, donc je vous dirai ce qu'il en est. C'est un très très joli bleu en tout cas. Hein, c'est un très très joli bleu. Et celui-ci m'a coûté, c'est pas vrai, 99 centimes. L'autre mascara que je vais vous présenter. Pareil, m'a coûté 99 centimes et c'est de la marque Kolkos. Je suppose qu'on prononce ça comme ça. Pareil, ce n'est pas un noir, c'est le 02 et c'est un marron. Et là, pareil, j'ai pris marron parce que j'en ai pas. Alors, bizarrement, j'ai jamais eu de mascara marron. Et la brosse de celui-ci est une brosse que j'aime déjà plus. C'est la petite brosse en espèce de sapin de Noël. Et j'aime déjà beaucoup plus. C'est déjà plus adapté, je préfère, que l'autre brosse. Je vous en dirai des nouvelles. Voilà. Donc, deux mascaras 99 centimes de deux couleurs que je ne possédais pas. Donc, je suis ravie. Voilà pour mon haul Action et Noz. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À me laisser un petit pouce pour m'encourager. Et un commentaire pour me dire si vous avez trouvé ces articles-là dans votre nose. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!